jardin Georges de la Salle, situé sur l'île de Bain, sur la côte nord Finistère, juste en face du port de Roscoff. Pourtant, lorsque l'on regarde la végétation ici, difficile de se croire en Bretagne. Les plantes d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Australie, de toute l'Océanie, de tous les continents se côtoient dans cette ambiance exotique. L'agapanthe d'Afrique du Sud, la cordyline de Nouvelle-Zélande ou la gave du Mexique, ces plantes avaient été rapportées sur l'île de Bain au 19e siècle par les marins qui sillonnaient les mers du globe. Et lorsqu'en 1897, Georges de la Salle arrive ici, il est étonné par cette végétation exotique et c'est ce qui va décider cet assureur parisien à venir y faire ici un jardin. La collection possède actuellement plus de 2500 essences originaires de tous les continents, ceci grâce au Gulf Stream, ce courant d'eau de mer tiède qui nous permet d'avoir à la même latitude que Terre-Neuve une végétation vraiment subtropicale. Propriété du Conservatoire du Littoral, ce jardin est un véritable conservatoire de la biodiversité mondiale. Si la réhabilitation s'est voulue fidèle à l'esprit de son concepteur, de nouveaux aménagements l'ont complété. Chaque espace est une invitation au voyage.